si tu me vois encore. Salut mon grand. Bonjour. Ouais, qu'est-ce que tu fais ici mon copain? Pardon? Ah c'est chez nous là mon ami. Non mais... je te vois, t'es dans le camp depuis deux jours. En fait je vous explique, je suis agent de sécurité avec mon chien et je surveille. Mais tu surveilles qui là mon copain? Mais je surveille le matériel qui se trouve juste là-bas les gars. Mon seigneur Dieu, j'avais dit au David. J'avais dit au David, c'est mort. On va être gentil avec toi. Tu prends ton véhicule et tu vas. Ici c'est un camp familial. Eh hey, tu veux surveiller, tu vas surveiller là-bas mon copain. Ouais tu vas là-bas. Tu rentres pas sur mes morts, tu rentres pas dans le camp. Il y a des enfants ici mon copain. Mais les gars, écoutez, moi je fais juste mon travail, on m'a dit de me poster là, c'est pour ça que je suis garé là, mais je vous embête pas, mon vous inquiétez pas. Mon seigneur Dieu. Mais non, ça va les couilles. Mon seigneur Dieu, j'y vais manger la cervelle. Et on va se castagne. Mais monsieur pro, vous voulez manger ma cervelle? Écoute, sur mes morts, on va pas se répéter longtemps. C'est privé ici. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille et partez là-bas. Tu veux pas partir? Non, je veux pas partir. Tu non. Veux partir? Mais j'ai pas le choix, c'est mon travail. Y a Tony, c'est bon, y a Tony. Je vais chercher le truc. Va chercher le métaux là, vas-y. Moi les gars, je veux pas de problème avec vous, moi. Ouais, mais des problèmes, t'en auras. Ah, ton chien là. Il est parti chez quoi ton collègue en fait? Ah, il est parti chez le métaux là mon copain, fallait circuler quand t'as dit circuler là. Mais prof, vous êtes pas des hommes, vous avez besoin de des armes pour vous battre? Comment ça, on est pas des...